Shalom Alechem. On est dans le Kisou Shukranavour de Shabbat, Siman Shin Yud Het. Bishul Achar Apia Bekliya. De cuire après qu'on a enfourné ou on a été collé, ça veut dire de mettre dans le four. Ou on met dans le four, ou, okay, ça s'appelle Afia, c'est le pain, ou les épices. Que ça s'appelle klia, comme le poivre, les piments, les pilpels, les paprikas, le kumon, tout cela, ça s'appelle klia. Yesh klia trina. C'est celui de trina. On pile. Et il y a aussi klia, on le met dans le four. Il y en a que Bichlal, il ne met pas dans le four. Alors Bichlal, quand tu mets dans Klisheni, c'est mes vaches. Même dans Klisheni. En pâme, qu'est-ce que ça veut dire Klisheni? C'est le verre. Quand tu prends de la bouillard directement dans le verre, ça s'appelle Klisheni. Quand tu mets après, okay, tu veux faire par exemple, il y en a qui font une soupe. Shabbat. Mais elle est cuite cette soupe-là. Il y a encore problème. Si, y a, vous savez, il y a des sachets soupe. Lyophilisé. Hein? Lyophilisé, comme il dit Yako. Voilà. Maintenant, tu prends cette soupe-là, tu mets dans le verre. Si les sachets déjà cuits, il y a encore problème. Maintenant, il manque du sel. Il met du sel, il y a encore problème. Il manque du poivre. Il y a un problème dans le poivre. Non, si maintenant tu veux. Le poivre, c'est calé à bichoul. Il faut, quand tu mets dans le deuxième keli, il n'est pas cuit, il n'est pas grillé avant le poivre. C'est pas. Je sais pas comment il est fait. Pas shoot. Non. Sauf dans le cliché, et même si c'est plus cuillé sur les dépôts, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais pourquoi? Il faut voir maintenant. Faut voir. Tu sais pourquoi? Parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Encore une nuit. Rien dit de l'âme, assaut, les Jacob, regarde qu'est-ce qu'il dit là-bas. Pas comme tu as dit. À quel sujet? Regarde le pilpel. Ah, le pilpel, oui. Pilpel, asasou, l'item, pilpel, tahoun, okakoum, ken, usha, mine, tavlin, le kli, richon, le shabbat. Afilou, le ha, j'ai si, ou ta gedera, me al, a esh. Asasou, l'item, tavlin, le kiara, vela, ota, le kli, richon. Vali, me era, techila, le kli, richon, le tor, kli, reka. Uta, l'item, le tavlin, le tor, kli, cheni. Alors le Rav nous dit un hiddush que l'ichora, on pouvait comprendre le contraire. Il nous dit le Rav, si maintenant tu as du poivre ou tu as du curcum, c'est du curcum, c'est du cumin. Du cumin. Non, du curcuma. Curcuma. Ou des autres ingrédients. Okay? Tu veux mettre dans un clirichon, par exemple, tu as pris ta marmite du feu, tu l'as sortie, non, tu goûtes. La maman elle dit, il manque un peu du curcuma ou du poivre. À sourd de mettre dans la marmite. C'est vrai? Okay? Même si maintenant tu as retiré du feu. Ainsi aussi, de mettre dans une assiette et après que tu mets dans une assiette, tu mets le plat dans l'assiette et après que tu as mis dans le plat, tu as mis du cumin, du curcuma ou du poivre, okay? Ça c'est moutard. Mais si maintenant tu mets du cumin, du poivre... Tu n'as pas du sel là, justement. Non, du sel, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça, le sel. On avait dit que c'est cru aussi. Ça dépend, il y a deux sortes de sel, mais on parle si c'est le sel qui est cuit, il n'y a aucun problème. Mais si c'est le sel qui n'est pas cuit, ça, c'est un problème. Donc, l'irishon, c'est un problème. Donc, l'icheni, il n'y a aucun problème. Donc, l'irishon, c'est moutard. Ils ont sur qui s'appuyer. Mais là, maintenant, on parle maintenant, si tu prends du poivre, tu mets dans une assiette. Ou du curcuma, tu mets dans une assiette. Du coup, moi, tout cela. Et après, tu verses de l'irishon, de la marmite, et tu mets ton plat dans l'assiette. Là, maintenant, ça s'appelle irui mi l'irishon. Et ça va cuire maintenant le curcuma ou le poivre, etc.
Donc le poivre, le poivre les épices, on même dans le krishéni, ça ne marche pas non plus. Il n'y a pas dit ça, Laurent. Non, il n'y a pas. C'est le cas qui est à source, c'est comme ça. Tu prends le poivre. Ça, c'est. Maintenant, tu prends le poivre, tu mets dans une assiette. Et après, tu prends de la marmite et tu verses dans l'assiette. Ça, c'est à source. Pourquoi ? Ça s'appelle Irouï, Mikli, Richon. Versé de Kli Richon, quand même, il cuit. Maintenant, si on met le poivre dans le plat qui est sur Klicheni, voilà. Par exemple, tu as pris l'assiette, tu as versé dans l'assiette. Et maintenant, tu prends du poivre ou du curcuma ou tout ce que tu veux d'autre et tu verses dans l'assiette. Là, il te dit, il n'y a aucun problème. Et même si maintenant, okay, c'est très chaud, il y a de soleil debout. Ça veut dire que des fois, c'est une patate. Une patate, un morceau de viande. Un morceau de viande, même c'est un gouche. Que les chora, il y en a des poskim qui disent que ça cuit. C'est très très chaud. Quand même, il nous dit le rail, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu te souviens? C'est hier, on avait laissé ça. Oler ou Milkaré? Anouagim la rin kumkum gelmaï. Hamim, les rêves Shabbat. ובשבת כשרואים החמישה החמים מצטמק יותר מהראוי, מערים לתוכו מים חמים, יש למחות בידם ולהודיעם שאסור לעשות כן, כי המים החמים היוצאים מהכלים מתקררים מעט באוויר, וחוזרים ומתחממים בתור הכתרה, שהיא כלי ראשון, ואף שרוטב מבושק שחוזרים לחממו או מצטמק ורע לו. בכל מקום, כאן הרי רצונו שהמים ימנעו מהיבש מלהסתמק. נחלה בחימום המים. ולא אכפת לו במה שאחר כך התעדו. וגם יש שכתבו לחלק בין מים לרוטב. ועוד דאחה דאמה חרינה. דפעמים שהאחד מהם אינו חם כל כך שהיה צולדת בו. כשמערי המים החמים של התבשיל נמצא במשל בשבת. ולכן אם רואה שהתבשיל מצטמק ומתייבש, יסירנו מעל האש, וייתן כדירה ריקנית על גבי האש, יניח התבשיל על גבי הכדירה, ויזהר שלא יניח הכדירה על גבי קרקע. לא ינודי לו רע. יונה כזון הביטוד, כן, דפרפרי אנקומקום דו שוד. לבדו שבת, זה בדרך כלל לוחמין. כן. לוחמין איסי איסי. Non. Le plat du la tefina. Juste à côté, ils mettent une bouillarde d'eau chaude. Okay? La veille de Shabbat. Et Shabbat, quand ils voient maintenant que la tefina va brûler, qu'est-ce qu'ils font? Ils versent de cette bouillarde-là de l'eau dedans. Bon, ils te disent, cette eau-là maintenant elle est. Elle est déjà en train de brûler, en fait. Elle est cuite. Et puisqu'elle est cuite, okay, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cuisson après cuisson. Mais elle est bouillante, en plus. Et voilà, elle est bouillante. Il dit le rab, il faut éviter, il faut leur dire de ne pas faire ainsi. Pourquoi? Parce que quand maintenant tu prends cette bouillarde-là maintenant et tu verses de la bouillarde, que c'est de l'eau bouillante, et tu verses sur la marmite, dans la marmite, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Irouï Mikli Richon, de verser d'un Kli Richon. Le jet là maintenant, il se refroidit quand il est en contact avec l'air. Et après que tu as mis maintenant cette eau là maintenant dans la marmite, qu'est-ce qui se passe? C'est la marmite. Elle recuit l'eau. Et ça, c'est assou. Ça, c'est assou. Nous, les séfarades, on pense que yesh bishul achar bishul belach, mais là, tu recuis l'eau. Ki amayim ahamim ayotzim akli mitkarim ba'avir, me'at ba'avir. Yerozim mitkarim mitkhamimim, betor hakdera, shi'i kli rishon, ve'af, même que maintenant le rotem, maintenant qu'il est mebouchal, le rotev, il est mebouchal, la sauce, elle est cuite.
שחוזרים לחממו, אלה מצטמק ורלו. Mais ça cuit un peu avec le vent, avec l'air. Mais je veux dire, c'est toujours une température très forte. Afilu achi. Mikol makom. Kan arei retsono. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'eau, okay, elle empêche le plat qu'il est, il est mitztamek. Cette eau-là maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va empêcher que le plat qui va être mitztamek, il va se retrécir. Mais lui, il veut que cette eau-là maintenant, okay, elle cuit. Mais là, il y a un mélange du plat avec cette eau-là. Okay, mais là, okay. Et maintenant, lui, il s'en fiche que maintenant, cette eau, maintenant, elle va s'évaporer. Il y en a qui font des hilukim entre l'eau, okay, et le rotev. Il y en a qui disent que tu cuis l'eau. Carrément, tu cuis l'eau. Il y en a qui veulent dire que si maintenant c'était avant Shabbat, okay, et il y a de l'eau, et tu remets maintenant là, d'une plaque à une plaque, il n'y a aucun problème. Parce que l'eau, c'est mitztamek vera l'eau, ça se dit. Ça descend, mais ici, ça ne descend pas. Pourquoi ça ne descend pas? Parce que tu veux cette eau-là. Quand tu verses, tu veux cette eau qu'elle fait maintenant. Elle va bien rendre ton plat maintenant. Au lieu qu'il est dur et sec. Tu veux cette eau-là. Puisque tu veux cette eau-là, ça s'appelle Bevachel. Et encore un autre tam. Des fois, un, il n'est pas chaud comme l'autre. Ici, c'est le cas. L'eau, quand tu verses, elle n'est pas chaude. Quand tu, et même, tu vois de toi-même, quand tu verses cette eau à la maison, c'est quoi? Tu cuis encore l'eau. Toi, tu causes une autre cuisson. Et ça s'appelle que tu cuis Shabbat. C'est pour cela, si moi maintenant il pose la question, comment je fais alors? Comment je fais? Il y a maintenant sa tefina maintenant qu'elle va cramer. J'ai pas le droit maintenant de prendre. Il va retirer de la plaque. Voilà. Le Rav il dit quoi? Comment tu dois faire? Yassir, maintenant, prends ta plaque, prends ta marmite, toi t'es fina, soulève ta marmite, mets une autre marmite en dessous, et tu mets ta marmite sur cette marmite. Ah, fais très attention, quand tu me fais ainsi, de ne pas prendre ta marmite de la tefina et de la mettre par terre. Je te remercie. Parce que sinon, après, si tu la mets par terre, y a comme, tu peux si, plus la remettre. Mais maintenant, je vais vous donner entre. Tu n'avais pas dit que tu prends la douche du concours et tu poses la louche. Non, toi, qu'est-ce que tu dis? C'est quelque chose qu'on a dit. Tu peux prendre la louche, tu mets cette louche-là dans l'eau chaude, oui. Et puisque tu la trempes cette louche dans l'eau chaude, okay, alors cette eau chaude maintenant, elle chauffe la louche. Et puisque tu as chauffé cette louche-là maintenant, ça s'appelle maintenant cette louche avec l'eau qu'il y a dedans, Kelly Richon. Mais là, quand tu verses après dans la marmite ou la tefina, okay, mais là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Kelly Richon. Et tu ne sais pas que tu prends et tu verses. Tu le laisses là-bas, il a chauffé. Okay. Tu l'as pris cette louche-là maintenant d'eau. Tu mets dedans et là, tu verses. C'est pas tu verses dans l'air, en l'air. Que si tu verses en l'air, c'est encore irouille, mi-clirichon. Il y a encore le problème. Et là, sans irouille, directement, tu mets dedans, dans ton plat, et tu verses. Il n'a pas donné ça. Il n'a pas dit ça. Moi, je vous dis entre parenthèses, je vous dis encore un autre. Comment on doit faire? Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un sachet de cookies. Il y a des sachets de cookies qu'ils mettent. Il y en a qui mettent dans le plat, dans la tefina. Ils mettent le riz, la veille de Shabbat. Et il y en a qui mettent aussi, à part cela, ils mettent un sachet d'eau. Si maintenant, ils voient Shabbat que sa tefina, elle a cramé, ils percent. Ils percent le sachet, il n'y a aucun problème. La condition qu'on n'a pas fait l'eau. On a fait l'atmana. Hein? La condition qu'on n'a pas fait l'atmana. C'est problématique l'atmana. Si tu as tout couvert ton sachet d'eau, de nourriture, ça ne s'appelle pas l'atmana. Même comme ça ne s'appelle pas l'atmana.
Pardon. Même comme ça, c'est un problème d'atmana. Si tu prends maintenant ton sachet, tu mets dans l'eau. Dans l'eau. Tu le sors un peu dehors. Voilà. Tiens. Hazakobao. Atmana, c'est Issou de Rabbani. C'est Issou de Rabbani. Atmana, c'est Issou de Rabbani. Peur que. Shema Yamin Beremet. Yatmin Beremet, Yihate. Je suis méchant.